Une souris verte qui courait dans l'herbe. Oui, oui, je continue à me poser des questions sur les comptines que nous chantons enfants. Parce que ma petite cousine de 6 ans me chantait ça dimanche dernier. Une souris verte. Et je me suis dit, mais... Bon Dieu, une souris verte, mais pourquoi? Ça n'existe pas, une souris verte. Et puis cette chanson, elle veut rien dire. Rien dire du tout. Une souris qui se transforme en escargot, c'est con. Ou alors c'est pour apprendre des choses aux enfants, mais je vois pas trop l'idée. Depuis quand on veut faire croire aux enfants que les souris peuvent être des escargots? Des escargots garous? C'est naze un escargot garou, ça va pas vite. Bon, en tout cas, grâce à Internet, je me suis renseigné. Et cette chanson date de la guerre de Vendée. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Un soldat vendéen, qui portait donc du vert, fuit un soldat républicain. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Le soldat est capturé et passe devant des officiers supérieurs. Une sorte de cour martiale. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Là, vous l'avez compris, vas-y mec, lâche-toi, ébouillante-le, torture-le à fond, fais-lui dire tout ce qu'il sait. Classe. Bon, alors j'ai eu beau chercher plus de preuves sur la véracité de cette chose, j'ai pas trouvé. Mais ça colle quand même très bien hein, à cette chanson un petit peu étrange. Et sur les paroles de fin hein, qui disent « Il laisse trois crottes dans la culotte et puis il s'en va », j'ai très peur de comprendre.